MCRTV. Déguerpit les abords des rivières qui arrosent la ville de Pointe-Noire, telle est la solution trouvée par l'autorité municipale en vue de pallier les risques d'inondation lors des pluies. La sensibilisation des populations concernées par l'opération a été faite au travers des relais dans les quartiers. Toala qui surprit na ba zavi ba pesa ki biso depuis le 4 l'est au tangé ango ba lobi na biso ke ba oyo nyonso ba zali pembeni na ba mai ba longola d'ici le 15 sinon ba ko même ba zongé na bango pona ko yaka ko longola biso forcément. On n'était jamais avisé, ça nous a pris de court et les avis là nous ont été distribués à partir du 4 ou 6 de ce mois. Et on nous demande de libérer les espaces au plus tard le 15 février. Donc là, nous sommes, on ne sait quoi faire. Pour l'autorité municipale, il faut prendre à bras le corps cette situation difficile pour qu'elle devienne un vieux souvenir. La rivière doit remplir sa fonction primaire, celle de recevoir les eaux pluviales. Mais si nous regardons, nous continuons à regarder cette situation comme ça, en faisant de la pitié, eh bien, nous ne pourrons pas redonner à la ville le sourire qu'il faut. Pour le moment, nous voulons nous attaquer simplement à tous ceux qui occupent les bassins versants naturels pour redonner aux bassins versants naturels leur utilité. Hein, partout où il y a une rivière qui doit recevoir les eaux pluviales, il faut bien qu'on puisse redonner à cette rivière sa fonction primaire. Cependant, les occupants de ces abords des rivières constitués en collectif estiment que cette mesure, sans concertation, a un caractère brutal et que ces terrains n'ont pas été occupés anarchiquement. Nous voulons vous faire savoir que nos terrains n'ont pas été occupés anarchiquement et illégalement, mais c'est auprès des propriétaires fonciers reconnus par la même autorité municipale de ce qu'ils sont leurs partenaires dans le domaine foncier, conformément aux délibérations de la Conférence nationale souveraine. Dès lors que ces espaces ont été acquis auprès des propriétaires fonciers, ces espaces deviennent des propriétés privées des citoyens et qui ne peuvent pas être aliénés sans leur consentement au regard des dispositions de la Constitution. D'autre part, l'assainissement que nous attendions, bien qu'il est une œuvre d'utilité publique, ne devrait pas être un déguerpissement forcé, brutal et fatal ou un événement funeste pour les citoyens que nous sommes. Après ce délai de 15 jours qui expire, va-t-on voir les engins démolir les habitations sur ces bassins versants naturels ou l'autorité municipale va-t-elle prendre en ligne de compte les préoccupations des riverains? Attendons voir.